Stéphane Jungsunja, jeune homme de 35 ans, commence le cinéma en 2007 après 2 années d'études en faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Il fait la rencontre d'un réalisateur qui le fait jouer en tant qu'acteur dans le film Un jeune en enfer, réalisé par Franck-Henri Nonga, où il incarne un petit rôle. C'est en 2012 que sa carrière démarre véritablement lorsqu'il joue un rôle important dans le long métrage La fille du soleil, réalisé par Egeran Towa et Serge Tachemo. En 2014, il fait partie du casting de la série télé La Reine Blanche, produit par Chambéni Entertainment et réalisé par Ebenezer Kepombia. Le jeune Stéphane enchaîne des productions en tant qu'acteur, sa détermination l'emmène à côtoyer de nombreux réalisateurs et il s'inscrit même à des sessions de formation physique et en ligne dans plusieurs domaines du cinéma. En 2015, il décide d'ouvrir sa propre boîte de production Black Film et cette même année, il va réaliser son premier court-métrage puis en 2016, son deuxième court-métrage intitulé « Prémonition », avec lequel son actrice principale remportera le premier prix de meilleure actrice au Festival international court-métrage de Douala. En 2017, il va produire et co-réaliser son premier long-métrage avec le réalisateur Feu Sergio Marcello, intitulé « Le cœur d'Adjaï », film qui fera une énorme sensation aux écrans noirs de Yaoundé en 2017 et qui remportera le prix de meilleure interprétation féminine via son actrice principale. En 2018, il va réaliser son deuxième long-métrage intitulé « Fantasma 1 » et en 2019, il va produire son troisième long-métrage intitulé « Fantasma 2 »,« Trauma », qui a remporté le prix de meilleur film camerounais aux écrans noirs 2019 et meilleure interprétation féminine. Actuellement en phase de post-production, il vient de réaliser sa première série télé intitulée Bobby et compagnie. Nous remercions notre partenaire Africa Radio, qui est une station radio africaine créée en 1981 en Afrique, arrivée en FM à Paris en 1992, avec pour objectif principal d'être la voix des Africains d'ici et d'ailleurs. Prônant de réelles valeurs panafricaines, Africa Radio est aujourd'hui écoutée en Île-de-France par 120 000 personnes chaque jour, 500 000 personnes chaque semaine, pour un auditoire global de 1 million de personnes grâce à un programme généraliste composé d'informations, débats, musique et d'interactivité, également suivi sur les réseaux sociaux par plus de 800 000 personnes. Retrouvez toute l'actualité de la semaine du cinéma sur notre site ainsi que sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et n'oubliez pas, tous, à la semaine du cinéma.